chocolat. Chocolatine. Et oui, c'est une question centrale et capitale qui divise la France depuis toujours, ou presque, et qui fait parler beaucoup sur les réseaux sociaux. Eh bien, la fameuse polémique sera bientôt terminée. 10 députés ont en effet déposé un amendement dans le projet de loi agriculture à l'Assemblée, amendement pour défendre la dénomination chocolatine, chère, vous le savez, aux habitants du Sud-Ouest. Ils veulent ainsi que soit valorisé, je cite, l'usage courant d'appellation due à la notoriété publique du produit et de ses qualités reconnues au travers d'une application populaire. En clair, si cet amendement est voté, on pourra donc dire et pain au chocolat et chocolatine. Fin donc d'une polémique qui a même inspiré un chanteur agené. Il a déposé une chanson sur la toile. Son nom, Chocolatine Man, ça ne s'invente pas. Dans ma nouvelle Aquitaine, François Hollande dédicace son livre à Tour de Bras en ce moment. Il était d'ailleurs récemment à Bordeaux. Et interrogé il y a quelques semaines par nos confrères de la montagne, il a passé, vous allez l'entendre, une annonce, disons, assez étonnante pour un ancien chef de l'État. Si vous avez une maison pas trop grande, pas trop chère, et à Tulle, je suis intéressé. Paraplégique et pourtant, Gaël Cornuau va pouvoir arpenter les chemins de Compostelle. Pour cela, cet habitant de la chapelle Saint-Étienne va rouler dans cet étrange véhicule, une voiture électrique tout-terrain développée par une société du pain dans les Deux-Sèvres, société dont le gérant accompagne également Gaël dans cette aventure. Les deux hommes à bord de leur swing car vont ainsi parcourir entre 80 et 100 km par jour sur des sentiers, disons, parfois délicats. Leur épopée est même à suivre sur les réseaux sociaux. L'océan en feu à Hossegor, une vidéo assez étonnante à retrouver sur le site SurfSeek. La brume, vous le voyez, donne l'impression qu'un incendie s'est déclaré sur l'océan. Une cohabitation New Look, une maison bigénérationnelle, a ouvert ses portes à Limoges. Son nom, Aimé, pour aîné. Infirmier, médecin, résidence. Une ancienne maison bourgeoise a été entièrement rénovée avec 5 logements pour des personnes âgées et un T4 pour une colocation étudiante. Le principe, d'un côté, des personnes âgées qui souffrent d'un début de maladie cognitive et de l'autre, de jeunes étudiants en profession de santé qui auront pour mission de prendre soin de leurs aînés. Cohabitation qui permet à tous ainsi de profiter de services haut de gamme pour des loyers modérés. Les spectateurs d'une course de vaches landaises organisée à Bascon ont eu du mal à en croire leurs yeux et pourtant, le sauteur Louis-Hans Olabeyer a réalisé une figure inédite, rondade, flip et saut périlleux arrière au-dessus d'une vachette du jamais vu en course landaise. Double champion de France, le sauteur a tout de même avoué qu'il fallait 99% de chance pour réussir cet enchaînement de figures, pas sûr donc qu'il la reproduise un jour. Les départements de Nouvelle-Aquitaine peuvent être source d'inspiration, la preuve dans cette hebdo vidéo avec deux exemples très différents. Le premier est signé d'un photographe, Stéphane Salerno, qui a compilé et mis en musique quelques-uns de ses plus beaux clichés du Pays Basque. Errukiaren atzean eskuak amorruz beterik zuen eguzkia eskutatzea Yeah!
aterako da. Les départements de Nouvelle-Aquitaine inspirent la suite, cette fois en chanson. Jean-Paul Jameau, lui, aime vraiment, que dis-je, adore la Creuse qui lui a inspiré ce morceau. Les pierres jaumâtres, le granit, Aubusson et ses tapisseries, le pâté aux pommes de terre, mon enfance, mes parents, mon frère. La Creuse, ses tapis de verdure, on respire de l'air pur, la tranquillité vraie. Les rivières, les forêts, c'est le royaume de la nature, les remplacent les murs, même les vacances sont heureuses. Pour terminer cette hebdo vidéo, embarquons sur un jet ski en compagnie de Gilles Bernier et quelques autres grands du freestyle. Entre amis donc, une petite sortie à mimisant pour le champion du monde de jet ski freeride, loin, vous le voyez, de la petite balade pépère. Brown.